one beat, get three beats free. On va monter un petit peu, on va refaire descendre. Ensemble, on est dans la même salle depuis, ça doit faire un an et demi, on s'entraîne ensemble au MMA Factory. Franchement, l'état d'esprit, c'est très fraternel, c'est comme si c'était une personne qui combattait, comme au Japon, WSOF. Et ouais, nos liens sont vraiment encore plus serrés là-bas. Ça fait bizarre comme tu vois ton copain boxer et tout ça, surtout comme il gagne, t'es content, mais si ça se passerait mal, bah, ça ferait bizarre, encore pire. Tiens, on s'occupe des gars. Demain, fatigue, reconstitution le lendemain et bagarre dimanche. Oh là là. 65. Ok. Là, j'ai perdu. Alors l'étape du cutting, pour ma part, c'est l'étape qui est très très difficile. Ouais, c'est dur surtout pour une première fois pour moi. Ça a été dur, ça a été éprouvant. Le bas, ouais, c'était éprouvant, mais bon, on a fait le poids. On va pas trop rentrer dans les détails du cutting parce que c'était glauque, hein. Pour ma part, sur l'étape du cutting, franchement, moi, tout va bien. Je perds bien le poids, je rigole, je danse. Tout va bien, ça descend bien pour moi. Voilà.
fétale. Là, pour moi, il faut que je... Anguero, 61.4 kilograms, 135.4 pounds. C'est bien. Nakajima, 61.4 kilograms, 135.4 pounds. Violet, 66.2 kilograms, 145.9 pounds. Omagawa, 65.8 kilograms, 145.1 pounds. We'll be right back.
les Yuma Factory, comment dire, c'est un, on est en train de ramener c'est une nouvelle ère, vraiment. Sincèrement, on est en train de ramener une nouvelle ère, un nouveau style de combat. Et je sais que c'est que des paroles. Maintenant, on va tous les prouver en cage ou sur le ring. Et vous verrez. Et puis moi, pour ma part, ma Factory, franchement, je me sens bien. Il y a tous les copains, tout ça, franchement, il y a rien à dire. C'est une bonne salle, Fernando Lopez, il y a une bonne entente. Hello. Hello. Ah, c'est toi? Ah, d'accord. Avec les yeux, je vois que vous avez. Ça y est, on y est. Ah. Mama, why did I do it? Let me hear you say, Mama.
do this, you won't know what to do with this. You gotta remember my name, said you gotta remember my name. Never beg for mercy, never seeing me flee. Got blood on my knife, got cash in my jeans. Did dirt in my life, having nightmares in my dreams. I remember my father, I was watching him suffer. Help me, Heavenly Father, don't let my life get rougher. And you gotta forgive me, I got alcohol in me. Even after I'm dead, niggas gon' never forgive me. I got homies I love that I love. Je combattais ce soir-là, mais j'étais présent quand même de coin parce que je peux pas rester vraiment en place et puis je pouvais pas rester tout seul dans les vestiaires, être borné tout seul. Alors j'ai préféré aller le voir et puis en plus même on est des bons copains, alors ça fait que je voulais que je voie de mes propres yeux qu'il allait la voir. Alors voilà. Dans mes projets futurs dans MMA, c'est clairement intégrer la plus grande organisation de notre sport qui est l'UFC. C'est vraiment mon objectif premier. Je m'en cache pas, je suis plus timide de le dire ou de, je le pense vraiment. Et je mets tout en œuvre et j'ai l'équipe qu'il faut pour y aller. Le MMA Factory, on a toutes les conditions qu'il faut ici. Pour y aller, on a les meilleurs sparring. Je suis pas là pour dire ça parce que je viens de cette équipe-là. Mais on n'a plus besoin de se cacher. Tout le monde le sait vraiment. Ici, on a vraiment ce qu'il faut pour aller chercher ces grosses regards. Donc voilà, on prend les combats comme ils viennent. Je prends les combats comme ils viennent, un par un. Et ça viendra quand ça viendra. Pour ma part, moi, je reviens d'une défaite. Là, je devais combattre. Ça s'est mal déroulé parce que j'ai eu des petits problèmes, ça fait que voilà. Mais je vais revenir encore plus fort et encore mieux. Après, je voudrais combattre là, donc bientôt, là, j'espère. Et puis pareil, rattraper le petit rouge qu'ils m'ont mis, remettre un verre ou deux. The face of an angel, the heart of a lion. Champion spirit, blessed with the will of surviving. You remember the face, you remember the game. When it's said and done, said you gonna remember my name. Moi, l'UFC, pour ma part, ce que ça m'inspire, c'est déjà pour moi, c'est comme un rêve, c'est un rêve. Parce qu'à la base, j'étais fan de ces sports-là, du Pride, de l'UFC, je regardais ça que en DVD, je regardais ça à la télé. Moi, aujourd'hui encore, je regarde ça à la télé, mais sauf qu'aujourd'hui, je regarde des amis d'entraînement, des frères d'armes qui s'entraînent avec moi dans cette grosse organisation. Et pour moi, c'est vraiment l'accomplissement d'un dur et long travail et un long chemin. Donc aujourd'hui, je suis avec mon coach Fernand Lopez qui met tout en place pour nous ramener au sommet de la montagne. Donc aujourd'hui, je le suis au doigt et à l'œil. Voilà, on suit exactement ce qu'il nous dit de faire. Donc voilà, aujourd'hui, je me tiens à sa voix. Il me trouve les combats, je le laisse valider parce que je le fais confiance, je me prépare et je traverse l'obstacle qu'il a mis en face de moi. Ce sport-là pour moi c'est, je pourrais dire, toute une vie, dans le sens où moi je combats, il y en a qui combattent pour les strass, les pailles, tout ça, je leur laisse tout ce folklore. Moi je suis là pour couronner ma maman, je suis là pour donner à manger à ma famille et voilà. Donc ma motivation elle est loin. If they love you it's cool, give them a reason to hate you. I ain't chasing the fame. Said you gonna remember my name. Black and gold.
Yeah, you ever remember my name? What about you? Imagine a casket, imagine me in it. Now take your time and try to picture this kind of vision. My funeral, my homies dead, my mama crying. My son is hurting, his daddy gone, now say goodbye. I'm just a memory, baby, do you remember me? Gave y'all all a good reason just to remember, see. Now I'm reaching heavenly, I'ma leave a legacy. My niggas gon' swear on my name and pour out Hennessy. They gon' say I did it all, started out with Nixon crack. Look at that, before he went to jail, he ain't even rap. Came home in the street, back up on the block again. Out of nowhere, street nigga killed the rap game. If I'm alive or not, for the heart, black and gold is fly. Said you gonna remember my name. Time is closing in, brother lose a way. Family for a friend. Said you gonna remember my name. My name, my name, yeah. Said you gonna remember my name. Je sais pas si tu Japon. Donc pour ma part, je gagne mon combat à la décision unanime. Et il y a mon frère Okeji qui perd à la décision partagée, très controversée on va dire. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami ou c'est mon frérot, mais pour nous la victoire on l'avait. Après on a combattu chez eux au Japon, donc ils ont donné la victoire. Sachant que son adversaire est venu nous dire dans nos vestiaires que pour lui il avait perdu le combat. Mais bon, ça nous apprendra aussi à nous. Maintenant, c'est que quand on combat à l'extérieur, faut finir nos combats. Comme ça, on laisse pas les juges décider de l'issue du combat. J'aurais préféré que les juges ils soient moins sévères que ça. Après, voilà, on peut rien faire. La décision, elle a été dite. J'ai fait même une vidéo pour que ça rattrape le coup, mais ça n'a rien fait pour ça. Après voilà, je suis un peu déçu, mais d'un côté, c'est pas la faute à lui. Lui, c'est un bon combattant, le Kawa. Franchement, sérieux, je respecte. Enfin, Renault, c'est moi. J'en ai plein la tête. Si tu vois les sacoches que j'y mets. Bon, c'est moi, j'avoue qu'il frappe fort quand même. Il a du ciment dans les mains celui-là. Non, mais c'est pas de ma faute si à chaque fois que je veux m'entraîner, il m'évite tout ça. Voilà, t'as vu. Ce qu'il veut faire. C'est vrai qu'il est rapide. C'est vrai qu'il me touche beaucoup de fois, mais dès que je lui en fous une. La dernière fois, d'un coup. C'est pas vrai.
c'est une bonne guerre avec mon frère. Ouais, voilà, je suis le chat. Voilà. Bon, je me présente, je m'appelle Teddy Violet, combattant MMA Factory. Je vous présente le négro. Non, mais non. Tous les mecs qui me pleurent, tu les vois la vidéo. Regarde ça. Allez. Page de l'actualité. Ah, pas beau ça. Hein? C'est le journal, la dogue. C'est la perfection, c'est la japonaise. C'est la perfection. Attends, je dois voir pour le combat. Les mecs de là, les couilles, t'as voir. La pizza, t'as voir comment ça se passe, la grillade de... La grillade de l'essence. La grillade de l'essence. C'est la petite. Posé. On est dosé au bois de rosé. I can't sell posé. Le posé. Hein? Ah oui, mais t'as vu. L'épreuve, je voulais aborder un sujet, l'épreuve du cutting, est-ce que c'est pas une étape qui est trop difficile? Alors l'étape du cutting, c'est une étape. Ok. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Hein? Yeah, good. Le Googie qui danse. Hello. Je te filme même plus, toi, c'est fini. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Pourquoi tu me filmes, ça fait 2 heures? Oh là là. Bon, je me présente, je m'appelle Teddy Violet. Combattant MMA Factory, voilà, je vous présente Arnold. Je vous présente. Ah oui, Jack, mais ton miette, carrément. J'ai fait une volée comme t'as jamais pris de taille. Comme t'as jamais pris de taille, en fait. Tu une volée, mon gars, je te le jure, sur le KO. Oh putain. Ah là là, mon frère, faut pas parler comme ça. Là, si tu parles comme ça, je vais te foutre la fessée. La fessée. Tu vas la l'UFC, je vais te foutre la fessée. Et puis, pendant Renault, eh, c'est moi. J'en ai plein la tête. Si tu vois les sacoches que j'y mets.